But what about you, Scarlett? What would it take to be a superhero in your eyes? Just rock hard abs. What? Like a six pack? Oh, okay. Or maybe a knee pack. All right. I've never seen, well, maybe you have one. Hemsworth has a knee. I'd say probably Hemsworth's knee pack. Donc voilà, donc c'est, si on fait, vous avez compris, les muscles, hein, voilà, il parle d'un de Chris Hemsworth également. Donc pour vous, c'est les muscles. What about you? I'm not a superhero. I know you're not, but as the question was addressed to the three actors. Probably tolerance, being able to tolerate the lesser beings on the planet. Alors voilà, don't look at me. Thanks, alors voilà, une tolérance en particulier envers les êtres inférieurs. Et évidemment, Scarlett, ne me regarde pas quand tu dis ça. Et je dis, mais tu ne serais jamais une créature inférieure. Question, autre question? Oui? Bonjour, hello. Got a double question for the directors. The first about the deleted scenes in the movie. Which are they? The one you miss the most, and maybe would like to put back in an extended cut, maybe later. And the second part of the question about the Easter eggs in the movie. We know that Marvel movies are full of them, and which ones are in this one? It's specifically in the final target list of Insight. There are names we might see if we freeze frame the image. Alors voilà, c'est une question évidemment qui s'adresse au réalisateur. Des scènes qui ont été coupées, est-ce qu'on les verra un jour dans une version Director's Cut ou DVD? Et puis est-ce qu'il y a des clins d'œil, des Easter eggs, comme souvent c'est le cas dans les films Marvel? Well, you need to consult now, the two of you. Yeah, the first question was about deleted scenes, right? Deleted scenes. Yeah, well, you know, we've been working on this movie for over 2 years now, so it was a long period of time we spent developing the script with the writers, so by the time we got to shoot the movie, the script was very tight, and the movie is remarkably, the final edited movie is remarkably similar to the script. There are a couple of small scenes that have been deleted, though, and they will be on the DVD. And the best of them is a scene between Scarlett and Sam, where they have a very nice character moment near the end of the film. It's kind of like, Joe and I always say, it's kind of like a master class in acting, watching them in the scene together. They're really excellent. But it was just during, you know, sort of a lull in the movie. You know, we just didn't need that kind of soft character moment at that time. And we didn't really need it. You certainly didn't need a soft character moment, you're right. Alors voilà, à propos des scènes que vous ne verrez pas dans le film et que vous découvrirez probablement dans le DVD, d'abord, comme c'est, il y a eu à peu près 2 années de développement, donc le scénario et le montage final du film sont extrêmement similaires. Mais il y a une scène en particulier entre Scarlett et Sam qui est un moment un peu doux, que j'appellerais une masterclass, un peu pour montrer leur jeu d'acteur. Mais on a considéré que vers la fin du film, ce moment un peu doux, eh bien peut-être ne collait pas avec la fin du film. The second part of the question was about the Easter eggs. So which do you have any like Easter eggs that you want to discuss or maybe particularly there a lot of, especially the end sequences also? By the way, we actually had a conversation with Scarlett about that scene. And I think she was the one who recommended at the time that section might have been a little slow. And she said, I can't believe this, but I think maybe we should take that scene. Alors ça, this is selflessness. Yes, this is what we're talking about. That's your Don't wife. Don't say that. I've got to do it again. Alors voilà, évidemment, je dois ajouter, je dois dire que c'est Scarlett elle-même qui, en quelque sorte, a sacrifié cette scène, parce que c'est elle-même qui a dit, je trouve que finalement, c'est pas le bon moment, c'est un peu trop doux. Donc c'est elle-même qui a fait preuve, effectivement, d'être I think it was in service of good storytelling, and the movie was getting a little slow on that here, so it was a very accurate note. Easter eggs, you know, look, yeah, clearly Marvel has a history of Easter eggs. We come from shows like Arrested Development, Community. We're pop culture junkies. We love putting Easter eggs in movies or in our shows, and obviously in this film, because it just adds a level of enjoyment for the audience the second, third time through they view the movie. I think Sam is wearing a Pulp Fiction t-shirt today. There is a Pulp Fiction reference in the film. You know, Bob Redford, when he opens the refrigerator, there's a Newman's Own salad dressing in there. Titled one of the books on, pay close attention to the title of the books on Steve Rogers' bookshelf in his apartment.
There's lots of, I mean, you know, those are three. There's five or six more. We'll leave that to the audience to find those. Alors voilà, d'abord, tous les deux, nous avons toujours aimé dans tout le film, des séries, bien, nous avons toujours aimé évidemment ces clins d'œil. Marvel est connu pour cela, évidemment. Alors, disons que je vais vous en dévoiler, par exemple, trois. Eh bien, Sam, il y a des références à Pulp Fiction. Et d'ailleurs, nous avons le Pulp Fiction T-shirt. Thanks for that. Lorsque Robert Redford ouvre son frigo, eh bien, si vous l'avez remarqué, il y a de la vinaigrette signée Paul Newman. Et puis, si vous faites attention aux livres qui sont chez Steve Rogers, eh bien, je ne dirais pas, mais regardez bien le titre des livres, parce qu'on pense toujours que c'est très intéressant pour le public qui va parfois revoir le film deux fois ou trois fois, eh bien, je crois, de découvrir des choses et d'être surpris. Autre question. Oui, Nico. Si. Oui, là-bas. Bonjour. Une question aux trois comédiens. Savoir quelle scène leur avait donné le plus de plaisir d'interprète. Et une question subsidiaire pour Scarlett Johansson. J'ai cru comprendre qu'elle pensait réaliser un film, mais je voulais avoir confirmation ou pas. All right. So, the first part of the question is for the three of you. As actors, which scene proved the most enjoyable to actually play? Well, for me, you know, given a movie like this, you're so saturated in action all the time. It's nice when you get to have a still moment. It's nice when you actually get to exchange and emote. And it is a really beautiful scene where I actually have very little to do with it, where Scarlett's character and I have a moment of reflection, and Natasha specifically is kind of learning a bit about herself. And I think in all the Marvel movies I've seen her in so far, it's the one where you see Natasha kind of crack, you know, and expose a bit of herself. It's the most vulnerable I've seen Natasha behave, and she's so phenomenal in the scene. Like I said, I didn't do much, I just got to watch, but it's my favorite without giving too much away. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que dans la mesure où le film est effectivement plein d'action, eh bien pour moi, ce qui est intéressant, c'est les moments un peu plus calmes où on peut vraiment faire parler l'émotionnel. Il y a une scène que j'aime beaucoup, dans laquelle d'ailleurs je fais très peu de choses, mais en revanche, Scarlett, dans le personnage de Natasha, eh bien, montre un aspect d'elle-même qui est très rarement vu, et à la fois dans les comics et dans les films, c'est-à-dire une certaine vulnérabilité. Pour la première fois, elle s'ouvre un peu. Et ça, pour moi, c'est une scène, de nouveau, à laquelle je n'ai pas beaucoup participé parce que je l'ai regardée jouer et c'est un moment qui m'a touchée infiniment. What about you, Scarlett? What would be the scene you had the most pleasure in? The deleted scene with Sam, probably. No, I'm just kidding. J'ai compris la scène qui n'est plus dans le film. Non, non, c'était une blague. No, I mean, that was one of the most pleasurable for me. And then, of course, the scene that Chris just described. I think any time, you know, these films, of course, the productions are huge, and we were there for the entirety of them, and, you know, there's plenty of days where, you know, we just kind of do that, like, stop, look, run, acting, run, kind of thing, you know, and that can go on for 2 weeks while a huge sequence is being filmed. You know, of course, the impact of the sequence in the end is explosive, but, you know, it's not like what you wake up to do every day. You know, it just sort of becomes a kind of a job at that point. And I think all of the scenes where I got to work with Sam, or, you know, where I got to work with Chris or Anthony or Kobe, I mean, scenes that we were actually really enjoying, you know, to the written word, and, you know, be able to have a given nuanced performance. You know, that's the joy of coming to work every day. You know, it's really being able to play with other actors, and you know, luckily this time around I think we had quite a few good moments like that. Alors pour moi, évidemment, c'est la scène donc vous ne verrez pas, mais vous la verrez en DVD que j'ai eu avec Samuel Jackson. Mais c'est évidemment aussi la scène que vient de recréer Chris, parce que évidemment, il faut comprendre que c'était une production énorme, et parfois pendant 2 semaines, nous tournions une séquence où il n'y avait qu'à vraiment à courir, s'arrêter, enfin vraiment des scènes d'action pure et dure. Même si on sait que une fois le film monté, cette scène sera explosive et formidable, ce n'est pas le plus agréable pour un acteur. En revanche, toutes les scènes où l'on nous permettait, justement mes scènes avec Samuel ou bien mes scènes avec Chris,
de jouer, d'être dans le verbe, d'être dans le scénario, de pouvoir nuancer mon personnage, et bien ça pour moi c'était ce qu'il y avait de plus agréable. Et je trouve que dans ce film, dans ce de l'hiver, eh bien, il y a vraiment davantage de scènes comme celle-ci qu'auparavant. What about you, Samuel? I wouldn't say it was the most fun, but interesting, only because as a young actor, you know, you sit in the theater and you look at famous actors on screen, and it never occurs to you that you're going to be on screen with one of those famous actors. So those days that I worked with Redford were really interesting, just to be there in that space with him and to be able to do, you know, those scenes and, you know, say to yourself when you got on, when you can talk to your friends and go, so what'd you do today? I said, I actually worked with Redford today. Redford, really? Robert Redford? So, yeah, those kind of things are always surprising, even for me. I can still be surprised by those challenges. Alors, je ne sais pas si j'appellerais ça les scènes les plus drôles, mais en tout cas, c'était très intéressant pour moi. Vous savez, jeune, lorsque je regardais, jeune acteur, je regardais des acteurs comme, évidemment, il parle de Robert Redford, on ne dit pas qu'un jour, eh bien, on jouera à leur côté avec eux une scène. Donc, c'est vrai que mes scènes avec Redford, eh bien, être dans le même espace que lui, être joué avec lui, eh bien, c'était formidable. Et c'est vrai que quand on m'appelait au téléphone, on me dit « Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» « Ah, j'ai joué avec Redford. » Ah, c'est génial. Donc, c'est vrai que j'ai encore cette capacité d'être surpris. Et c'est vrai que de jouer avec Robert Redford, il y a été une surprise et une récompense formidable. Autre question. Oui. C'est une question pour les réalisateurs, John Anthony Russo. Vous avez fait de nombreux épisodes de séries comiques comme Arrested Development, Happy Endings, Community. Et est-ce que vous pensez que le tempo qu'il y a dans les séries comiques vous a aidé dans le tempo d'un film d'action? Well, you've known for, in a way, your comedy, so to speak. We're talking Arrested Development, Happy Endings, Community, etc. Do you feel that the comic tempo, in a way, helped you for the action tempo? Absolutely, that's a very accurate statement. Yes, there's timing and rhythm in comedy, and there's timing and rhythm in the action sequences. You said that choreographing 10 comedic actors in a scene is of a similar, you know, geographic complexity as, you know, choreographing Captain America and Winter Soldier in a fight with each other. So it certainly was applicable and very helpful to have that background. Alors en fait, vous avez absolument raison, c'est très juste, parce que le timing et le rythme dans les scènes de comédie, eh bien évidemment, me servit pour le timing et le rythme dans les scènes d'action. Et lorsque l'on doit en quelque sorte chorégrapher 10 acteurs, eh bien c'est aussi complexe finalement que de réaliser une chorégraphie de combat entre par exemple Captain America et le soldat de l'hiver. Donc c'est absolument, en un sens, cela nous a beaucoup aidé. Dernière question. Oui, micro. Voilà, dernière question. Une question légère pour Chris. Je pourrais savoir s'il aimerait avoir l'expérience d'un homme de 95 ans dans le corps qu'il a actuellement. Une autre question concernant le film. Le thème du film, c'est aussi la sécurité qui est un frein à la liberté. Est-ce qu'en tant que comédien, Scarlett et Chris ont eu l'expérience de subir des mesures de sécurité qui freinaient leur liberté? Okay. Et Scarlett n'a pas répondu à la question sur la mise en scène de son film, la direction de film. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, it's director. Okay. Well, live question for Chris. I mean, would you like to be your age, have your body, but have an experience of the 95-year-old man? Wow. Sure. I mean, of course, I would make day-to-day life a lot more manageable, but I think that's part of life, is making mistakes and learning from it and growing from it. And I wouldn't want to rob myself of that experience, I suppose. Alors voilà, bien sûr, en quelque sorte, ça rendrait le quotidien plus gérable, mais moi je pense que la vie, eh bien, c'est évidemment commettre des erreurs, apprendre de ses erreurs, grandir. Donc je ne voudrais pas me priver de cette expérience. There's a question now for really both you and Scott. I mean, one of the theme of the film obviously is security versus freedom. How much do you give up for security? I mean, do you feel as actors that very often you have, I mean, problems between security and your own personal freedom?
You mean as people in the public eye? That's what you meant, right? Oui. Oh. C'est ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Tout à fait. I don't know. Well, I mean, just of course, being someone who's recognizable takes away some of the freedoms of being anonymous, or at least, you know, it's kind of, I guess, in part sort of your state of mind. Now, as I get older, I think I'm more comfortable, you know, in my own skin, and so, you know, things I may have been self-conscious about before, like people staring at me, while that's not always going to be totally comfortable, you sort of accept that that's kind of part of your fate as a recognizable person, and makes it a little bit easier than running around and, you know, like trying to hide yourself all the time. I mean, it's never going to be, it's a strange reality to adjust to. I don't know if you ever totally make that adjustment. Unless you hear somebody say, we're not attacking. Yeah, exactly. That can be scary too. I mean, you know, sometimes, like for instance, Sam just reminded me the other day, walking, we had a kind of crazy reception at the airport in Los Angeles, and some guy said, you know, something like, well, you know, I don't know why you're trying, why, say it said to somebody that was with me, I don't know what you're planning on doing, like as soon as she gets out of the car, we're going to attack her anyway. And, you know, that to me is sort of a hard reality to wrap my head around. So there's times when I think when you feel more unsafe than others, but I think mostly I feel as, you know, I'm as content in my mind as can be expected, I suppose. Alors voilà, évidemment que lorsque l'on est évidemment quelqu'un de connu, une part de votre liberté s'en va. Mais je crois que, vous savez, quand on grandit aussi, mon état d'esprit a changé. Je suis bien plus confortable, je suis bien mieux dans ma peau qu'auparavant. Donc maintenant, les gens qui me fixent du regard, etc., bien, j'accepte tout ça comme faisant partie intégrante de cette étrange réalité qui est la nôtre lorsque nous sommes acteurs. Et ça me rappelait effectivement, parfois on a des moments un peu de panique ou de peur, parce que ça me rappelait que l'autre jour à l'aéroport, nous sommes arrivés à l'aéroport de Los Angeles, et aussitôt des gens autour de nous nous ont dit « là là, dès qu'elle sort de la voiture, on l'attaque ». Donc c'est quand même un terme qui peut faire peur, mais je crois qu'aujourd'hui, eh bien, je suis bien dans ma peau et j'accepte cette situation comme elle est. And there was part of the question that that we didn't say about you directing. Is that true? The lady was wondering will you direct? Have you directed already? Me? No, that's Scarlett. I know you did. I know. Train one third. You did. Oui, parce que effectivement, Chris. I'll take this one. All right. Parce que Chris vient de réaliser effectivement Train one third. Donc, tu pensais que c'était peut-être une question pour lui. Well, no, it's a question. Well, Scarlett. I'm directing a film next spring. That is an adaptation of a Truman Capote novella called Summer Crossing. And that's what I'm thinking. Ah, alors voilà, donc voilà, effectivement, Scarlett va tourner son premier film en tant que réalisatrice. Le printemps prochain, c'est une adaptation de Summer Crossing de Truman Capote. Well, all right. Well, the last question, really, this is for you two. I mean, Anthony and Joe, I understand that you discovered yesterday the first ever exhibit of Marvel superheroes in a museum, which, by the way, was Stanley's wish. I mean, at the Art Ludique, Le Musée, it starts on the 22nd of March, but you were the first to see it yesterday. Don't you think it's high time that all the comics artists, the designers, all the creators, are finally recognized as true artists on their own? Parce que voilà, il y a une exposition, j'espère que vous allez y courir parce qu'elle est formidable. C'est la première exposition au monde sur les héros de l'univers Marvel. D'ailleurs, Stan Lee avait dit qu'il espérait qu'un jour ces super-héros entreraient au musée. Eh bien, c'est chose faite grâce à Art Ludique, le musée. À partir du 22 mars, vous avez tout l'univers des super-héros Marvel. Et eux ont été les premiers, en avant-première, à découvrir cette exposition. So what's your take on that? Shouldn't they run for Oscars as well, in a way? I mean, as a lifelong comic book collector, it's probably the greatest art installation I've ever been to. I loved it. It was put together with incredible passion. If you're a comic book fan, run, don't walk to see the installation. It's amazingly well done and has a rich collection of original comic material that I've ever seen. And it does an
excellent job of incorporating the Marvel Cinematic Universe into the installation as well, and showing how the books have influenced the universe and vice versa. Alors voilà, déjà, vraiment, si vous avez le temps, surtout, allez-y, courez-y, c'est une exposition incroyable, hein, dit que le musée, je vous le disais, parce qu'on y voit à la fois tout l'univers cinématique de Marvel, avec les installations, et l'on voit à quel point, effectivement, les comics et les héros ont influencé notre univers à nous. Voilà, merci infiniment, thank you very much. Thank you.